Et du Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, dans les moments de doute, où le désespoir et la peur investissent mon cœur. Apporte-moi la paix et la force dont j'ai besoin. Éclaire-moi sur ma route pour que je ne blesse personne, pour que mes actes ne soient inspirés que de ton amour et de ton esprit. Aide-moi à traverser cette route. Quand tu es à mes côtés, je me sens rassurée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, c'est nous, c'est qu'il en est. Violette Desmoulins, une femme de race noire qui a combattu pour ses droits le 8 novembre 1946. À cette époque, il n'était pas permis aux personnes de couleur noire de s'asseoir sur l'étage principal dans les salles de théâtre. Elle a offert de payer l'argent supplémentaire pour s'asseoir sur l'étage principal, mais le vendeur de billets refuse de prendre l'argent. Elle est allée s'asseoir de nouveau, même si un membre de personnel lui avait averti. Quelques minutes après, c'est là que le directeur vient et appelle la police. Les policiers avaient besoin de la traîner sur le plancher car elle ne voulait pas se lever. Le lendemain, elle a été traduite en justice. Personne n'avait dit qu'elle pouvait appeler un avocat. Viola avait donc besoin de se défendre par elle-même. Elle ne savait pas comment fonctionnait la salle d'audience et elle a été déclarée coupable. Viola Desmond est importante parce qu'elle est la première femme de peau noire à refuser de changer de siège et à se battre contre le racisme. Salut Laser, demain c'est la vente pour les bonbons et Crushogram à coût de 2 $ pendant l'heure du dîner au foyer. Passe ma journée!